présente aujourd'hui notre 369e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer avec l'histoire de cette institutrice assassinée le jour des vacances dans sa classe, sous les yeux de ses élèves, par une mère d'élèves. La meurtrière, donc, une certaine Rachida, a été admise dans un asile et cependant reconnue coupable de meurtre avec préméditation et mise en examen. Alors, je ne comprends pas, pourquoi ne l'a-t-on pas envoyée en prison, Jean-Marie Le Pen? Probablement parce qu'on a pensé que son état psychique ou psychiatrique nécessitait qu'on la mette dans un asile. Bon, revenons un peu sur ce cas, si vous voulez. C'est un cas heureusement rare. C'est ce qu'on peut appeler un accident social. Puisque tous les métiers exposent ceux qui les font à des risques. Il est évident qu'on sait que de plus en plus, le corps enseignant est l'objet de sévices de la part des élèves et des familles, des enfants qui se plaignent d'être maltraités ou pas bien traités. Bon. Là, c'est un drame. Cette pauvre jeune femme a été victime d'une folle. Et il n'en reste pas moins qu'elle est morte. Bon, nous déplorons tous, mais doit attirer l'attention. Je constate que dans les faits divers qui nous sont rapportés par la presse, avec quelquefois une infinie pudeur quand il s'agit du nom des délinquants ou des criminels, mais il y a une très grande proportion de noms étrangers. Alors ça peut indiquer deux choses, soit qu'il y a beaucoup d'étrangers dans notre pays, d'origine étrangère, soit que la criminalité, la délinquance soit proportionnellement plus importante dans ces communautés. Peut-être s'agit-il d'ailleurs d'un mélange des deux. Voilà. Et ce que je crois, c'est que l'insécurité continue de progresser, tandis que le gouvernement modifie la loi dans un sens laxiste, sur le plan pénal, d'une part, et d'autre part, diminue les effectifs de police et de gendarmerie. Il y a là tous les ingrédients pour faire monter gravement l'insécurité dans notre pays. Alors, la victime, donc l'institutrice, avait demandé, paraît-il, en ultime vœu, à ce qu'une famille de sans-papiers de sa connaissance soit régularisée. Et Manuel Valls, donc notre nouveau Premier ministre, a assuré avoir respecté ses vœux. C'est un peu étrange, non? Oui, non. Je dois dire que cette malheureuse n'a pas été récompensée de sa sollicitude à l'égard de ses communautés. La preuve, c'est que c'est l'un de ses membres qui l'a assassiné. Bon, c'est souvent comme ça, un bienfait n'est jamais pardonné, vous savez. Alors, la France éliminée de la Coupe du Monde de football. La suivez-vous, Jean-Marie Le Pen? Oui, j'ai suivi les beaux matchs, j'en ai vu de très beaux. Ça a surpris un certain nombre de gens, tiré un coup de chapeau à l'équipe d'Algérie que j'avais trouvé remarquable dans sa prestation. Ceci vu, et pour de ma part, exclusivement sous l'angle sportif, je sais qu'il s'agit de professionnels, généralement bien rémunérés, tant mieux pour eux, et qui font un spectacle sportif. Ce spectacle sportif est agréable à regarder et je suis, fais partie des téléspectateurs qui le regardent. Alors, j'ai regardé, pas tous les matchs bien sûr, mais la plupart des matchs. J'ai constaté que l'équipe de France s'était nettement améliorée par rapport à l'image qu'elle avait donnée dans des prestations précédentes. Mais nous avons été éliminés, c'est la règle du jeu, c'est les meilleurs qui gagnent. Bon, j'attends dimanche, seulement dimanche, il n'y a plus qu'un seul match maintenant, c'est le match qui va opposer l'Allemagne à l'Argentine. Et je crois que ce sera très intéressant à regarder, mais j'ai vu le contraste par exemple entre le match où l'Allemagne a passé 7 buts au Brésil et le match qui a suivi où semble-t-il les deux équipes avaient peur l'une de l'autre. Je crois que c'est la Hollande contre l'Argentine. C'était tristounet. Très ennuyeux. Très ennuyeux, ces passages de balles qui montraient la virtuosité des acteurs n'était pas séduisant du tout, ce que ça manquait, c'était pas du football champagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va voir à la finale, mais ça n'est qu'un spectacle sportif, oui, n'est-ce pas? C'est pas autre chose. Faut pas Alors j'ai été moi-même un peu ému par la tristesse de ces des, des, des,
des Brésiliens, parce que c'est un pays très pauvre et qui aujourd'hui se cristallise ses espoirs dans son équipe de football, dans un monde où les religions sont en déclin, où même les influences philosophiques elles-mêmes sont en déclin, l'encadrement spirituel des populations s'affaiblit, donc il se réfugie dans cette espérance, cette incarnation de la nation dans une équipe sportive. C'est un peu un signe de décadence, ce fut le signal de la décadence de la civilisation égyptienne et pharaonique, et puis de la civilisation romaine. Et il est probable que le fait que l'opinion se raccroche sentimentalement à ces exercices de puissance soit aussi un signe de décadence. Un peu comme les jeux du cirque de l'Antiquité. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous acceptez de faire des pronostics ou pas du tout d'ici les résultats de dimanche, la fin de la Coupe du Monde? Non. Je crois que les deux équipes ont leur chance. Théoriquement, l'Allemagne a un jeu plus sûr, mais les Argentins sont capables de faire du football champagne. Bien, merci. Et même quelquefois de mettre le ballon dans le but avec la main, mais ça c'est autre chose. Ça rappellera à ceux qui connaissent le football certains épisodes assez gênants. Bien, alors le chômage, lui, ne cesse de grimper. 5 20 000 demandeurs d'emploi en plus cette année. Donc, la conférence sociale est-elle utile, selon vous, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, le chômage, c'est une des rares choses qui marche bien en France. Ça continue de monter, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, compte tenu de la politique qui est menée. Et ce ne sont pas les parlottes, les conférences, surtout quand les gens qui y sont invités n'y vont pas, qui vont résoudre le problème. Je crois que le malheur de notre pays, c'est d'avoir à sa tête des socialistes. Mais vous savez qu'on peut être socialiste et de droite. Hein. Enfin, on peut faire des politiques tout à fait parallèles. Il n'y a pas grande différence entre la politique que menait l'UMP avec Sarkozy et la politique que mène aujourd'hui Hollande. Tout ça, c'est jusdem fariné, je traduis, de la même farine, c'est-à-dire, hein, ou du même métal, comme on dit. Je crois qu'il faut un changement profond des mentalités. Il faut que les Français retrouvent leur responsabilité, de façon à savoir qu'ils sont les seuls à pouvoir se sortir d'affaires par leurs efforts propres. Et pour cela, il faut sortir de l'Europe. Parce que tant qu'on croira que c'est les autres qui vont résoudre nos problèmes, eh bien, il ne se fera rien. Il faut changer beaucoup de choses, en particulier dans nos méthodes d'enseignement, c'est-à-dire que c'est une véritable révolution pacifique, bien sûr, mais qu'il faut réaliser dans notre pays. Oui, parce que là, donc, les remèdes proposés par le gouvernement, à votre sens, sont inappropriés et inefficaces. Oui, c'est de la parlotte, c'est le roi de la tchatche, c'est le Premier ministre. Monsieur Valls, il parle en toutes circonstances, il a toujours un discours de près, mais il n'y a que ça, il y a des mots, c'est un orateur. Alors qu'il faudrait un gouverneur. Vous parlez de l'enseignement, vite fait, je voulais vous dire un petit mot. Quant aux résultats du bac de cette année, plus de 87% de réussite au bac et une majorité de bac professionnel. Qu'en pensez-vous de tous ces chiffres? C'est dramatique, il y a 13% de gens qui vont être dans le chagrin, traumatisés par l'échec. On ne sait jamais où tout ça peut les conduire. Il faudrait peut-être passer à 99% de façon à ce que tout le monde soit heureux. Le bac, évidemment, n'aurait plus aucune valeur indicative, mais dans le fond, tout le monde serait content. Hein, les professeurs, parce qu'ils verraient ainsi, solder leur année de travail, et puis les élèves seraient contents d'eux-mêmes en se regardant dans la glace, ils se prendraient tous pour des petits génies. Non, c'est dramatique ça. Jean a dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Or, tout ce qui est erreur, fantasme, c'est le mensonge qui en est la cause. Et nous sommes dans une ère de mensonges généralisés. Voilà. Plus ou moins aimables, mais mensonges quand même. Oui, donc vous pensez que, on a quasiment, désormais, on donne le bac? Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait 87%. Faute de quoi, ça fera des troubles dans la...
dans la maison. Bon, voilà. C'était... Alors, ce n'est pas le niveau qu'on mesure. D'ailleurs, on a vu cette proposition extravagante de Manuel Valls. De mesurer les notes à non plus sur 20, mais sur 23 ou 24. Pourquoi pas sur 35 ? Auquel cas, nous aurons tout le monde sera agrégé à ceci près que je crois savoir que dans le concours de recrutement des professeurs des écoles, c'est-à-dire des instituteurs, on a été obligé d'abaisser la moyenne à 4,5%, à 4,5 sur 20, pour permettre l'entrée d'un certain nombre de gens. Ben, des gens qui ne savent à peine lire et écrire, comment se peut-il apprendre aux autres ? Parce qu'au-dessous de 4,5 ou aux alentours de 4,5, ça ne doit pas être quand même très brillant. Bien, alors l'armée algérienne ainsi que l'armée vietnamienne seront invitées sur les Champs-Élysées ce 4 juillet prochain lors du défilé militaire. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Le Pen ? Je trouve que c'est détestable. C'est une politique qui est démagogique, qui vise à faire venir un maximum de pays dans le nôtre pour une commémoration douloureuse, c'est celle d'une guerre qui, je rappelle, a fait 1 500 000 morts français, sans parler des 4 millions et demi de blessés. Et bien sûr que les nations qui ont participé à ce conflit soient invitées à sa commémoration, rien de plus normal. Mais l'Algérie n'était pas une nation en 1914, pas plus que le Vietnam. Ils appartenaient soit à la France, soit à l'Union française, et se trouvent représentés par là, même par nous. Et puis après tout, si l'armée algérienne devait défiler, un souvenir, il faudrait faire défiler les harkis, alors pas de faire défiler l'armée Fellaga. Bon, moi je n'ai rien a priori. C'est un pays que je souhaite considérer comme un autre, à condition aussi que sa presse cesse de nous insulter en permanence, comme elle le fait depuis pratiquement 50 ans. Merci Jean-Marie Le Pen. Alors un grand cafouillage concernant le redessin de la carte des régions, les députés n'arrivant pas à se mettre d'accord. Vous l'aviez prédit il y a quelques semaines, Président. Le Président Bidault disait un peu en assillant, quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Voilà. Or, je dois dire, les 22 régions sont ce qu'elles sont, les palais régionaux sont construits, tout ça coûte horriblement cher. Et je pense que ça n'est pas en créant de nouvelles entités, comme on le fait d'ailleurs avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, etc., que l'on va diminuer le coût de cette administration, de cette espèce de gâteau administratif. Le Front National a proposé quelque chose de clair, de simple. C'est d'une part maintenir la commune, le département parce qu'il correspond à une nécessité, et qu'il y a un véritable patriotisme départemental depuis 250 ans que le département est créé, et faire que les élus départementaux élus à la proportionnelle, les premiers soient aussi conseillers régionaux et participent au conseil régional, à une instance de coordination des départements qui composent la région, et supprimant cette instance massive qui est aujourd'hui, cette baronnie qui est devenue la région, puis la nation, et puis ça voilà l'échelon d'encadrement de la population française avec une responsabilité à tous les niveaux. Je pense que ce serait une réforme qui coûterait beaucoup moins cher et qui serait beaucoup plus efficace. Mais on est dans le rêve, on va faire n'importe quoi. Le gouvernement suivant défera ce qui a été fait par celui-ci. Enfin bref, la gabegie, le chaos. Voilà, et le gaspillage en perspective, à votre avis. Oui, il est là déjà. D'accord. Alors, l'Israël lance une grande offensive contre la ville palestinienne de Gaza. Plus de 400 bombardements en 3 jours, plus de 100 morts civils côté palestinien. Est-ce selon vous, Jean-Marie Le Pen, une tragédie sans fin ni solution à venir? Écoutez, personne ne peut rester indifférent devant le véritable martyr que subit la population palestinienne. Et il y a quelque chose de même qui m'étonne. Ce qui provoque ces réactions très violentes d'Israël et de son aviation, des bombardements
dont les civils sont généralement, comme toujours, les premières victimes, c'est l'envoi de missiles, de roquettes. À le Hamas enverrait des centaines de roquettes sur Israël. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de morts. Et donc il y a une disproportion formidable entre la riposte et les dégâts causés. Je trouve d'ailleurs très étonnant que le Hamas continue d'envoyer sur des terrains vagues des missiles, je sais pas, ou des roquettes, des roquettes qui sont interceptées, qui n'ont aucune efficacité. Alors il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, tu vois, qui pose question. Voilà, qui envoie ces roquettes vraiment? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un prétexte qui est utilisé par Israël pour écraser avec des moyens ultra modernes une population qui est pratiquement sans défense et dont on sait qu'elle vit déjà dans une misère affreuse. Sinon, je crois que ce problème va continuer d'empoisonner la vie internationale et peut-être même un jour conduire à des excès de conflits très violents. Malgré que le fait que le secrétaire général de l'ONU vienne de taper du poing sur la table. Oh diable, alors s'il a tapé du poing sur la table, ça va faire du bruit. Oui, donc ce sera... Ça ne fera que ça d'ailleurs. D'accord. Alors, 5 millions de Français souffrent à ce jour de solitude. Et cela s'ajoute, en plus à cela, la précarité. Alors, il y a les personnes âgées, bien sûr, mais pas uniquement. En effet, on dénombre désormais une majorité d'adultes dans la tranche d'âge 25-40 ans. Alors, est-ce, selon vous, uniquement lié à la crise? Pas seulement. Je pense que c'est une évolution sociologique dommageable que... L'homme n'est pas un être solitaire. C'est sa nature le conduit à rechercher la présence d'une épouse, si c'est un homme, ou d'un époux, si c'est une femme, pour fonder une famille et perpétuer ainsi la lignée humaine dont nous sommes nous-mêmes issus. Je crois aussi qu'il y a un égoïsme, une certaine indifférence à l'égard des autres. On apprend que des gens sont morts depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, sans que personne s'en soit aperçu dans leur immeuble. C'est donc qu'on n'avait pas l'habitude de les voir, donc ils avaient cessé d'exister. Je crois qu'il y a c'est peut-être aussi un abaissement des solidarités religieuses, de tous ordres, si vous voulez. C'est un repli sur soi-même, un matérialisme philosophique qui est commun d'ailleurs aussi bien à l'UMP qu'au PS. Je pense qu'il faut retrouver les valeurs spirituelles qui sont indispensables à la survie d'une société. Sans elles, eh bien, ces sociétés disparaîtront. Ne pensez-vous pas que le développement magistral des réseaux sociaux n'est pas amplifié justement un peu trop l'individualisme de chacun? C'est possible, ça. Je dois dire que je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je constate comme tout le monde qu'il faut que certains, les plus généreux, fassent un effort supplémentaire pour essayer de mettre un peu de joie dans la vie des gens qui les entourent et qui souvent sont en effet dans une tragique solitude. Même quelquefois quand ils sont réunis dans des maisons de retraite, je pense que, ou qu'ils soient malades dans des hôpitaux, je crois qu'il faut que nous fassions l'effort, les uns et les autres, l'effort de solidarité humaine, de sympathie, d'aller un peu au-devant des autres. C'est vrai aussi, même à l'égard des étrangers, offrir un visage ouvert, accueillant, quitte à... Si on est rabroué à réagir, mais avoir ce geste d'ouverture, on attendrait peut-être des évêques qu'ils donnent ce genre d'exemple. Enfin, en tout cas, on ne risque pas de souffrir de la canicule, ni les personnes dans les maisons de retraite, ni qui que ce soit là. Nous avons quand même eu un très beau mois de juin, prenons les choses quand même du bon côté. Ce phénomène de juillet est classique, hein. Il y a en juillet toujours une période comme cela où on a l'impression d'être en novembre. Mais un gros avantage, c'est que cette pluie abat les pollens, qui sont aussi agressifs à l'égard de nos malheureux poumons et de nos,
Et entretient le vert de nos plantes. Oui, absolument. Donc, il faut pas, écoutez, il faut prendre la nature comme elle vient, en souriant, en se disant qu'il faut du soleil, on adore ça. Il faut aussi de la pluie, moi je ne déteste pas. Vous êtes un breton, c'est normal. Hein. Oh, non, dites pas de mal de ma Bretagne. Vous savez qu'à la Trinité-sur-Mer, il y a une saline. Donc ça veut dire qu'on fait du sel. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de soleil que de pluie. Et alors justement, quels sont vos projets pour cet été, président ? Écoutez, je vais aller dans la MDA, la plus belle maison du monde. C'est la maison des autres. En effet, c'est pratique, c'est une bonne tactique. Eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, président. Bonnes vacances. Merci.